Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%. Et s'il y a une connerie, tout de même, tu sais qu'on va vous le dire. Ben oui. Moi, ce matin, je vous ai pas fait chier les deux. Hein. Je vous regardais, je laissais faire. Les autres, j'essayais de faire au maximum, laisser faire aussi, tu vois. Voilà, après, c'est sûr que quand t'as un qui fait vraiment une grosse connerie derrière, t'es un peu plus tendu. Bon, j'ai pas été non plus hyper tendu. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ce que tu dis. Après, j'ai une autre question sur l'exemple. Donc, t'as le vent qui descend. Ouais. Si t'arrives trop haut, à ce niveau-là, t'es encore trop haut. Ouais. Là, tu continues, t'es encore trop haut. Et t'as les barrières du terrain de foot. Qu'est-ce que tu fais? Et il y a du vent. Hein. Et il y a du vent. Putain, là, ça veut dire que t'es rentré vraiment très haut. Voilà. Mais bon, pourquoi pas? Je sais pas, t'arrives au terrain de foot à 7 mètres. Ok, alors attends, on va refaire le truc comme ça. Toi, t'arrives, t'es super haut là, donc tu prends toute la largeur possible. Voilà, là, on va dire même tu fais des S, voilà. Machin et tout. Et là, t'es encore haut. Et t'es à 7 mètres. T'es encore haut, tu vas poser là sur le verre. Ah ouais, faut passer les barrières. Moi, je passerai les barrières. Si t'as fait tout ça et que t'es encore haut, ça veut dire que t'es très très haut. Hein. Mm. Mais vaut mieux privilégier de poser là face au vent que de te faire un demi-tour et de poser. D'accord. Ouais. Ou à la rigueur, regarde. Si t'es ici, on sait jamais. Tu remontes là, t'es vraiment encore super haut. Tu peux recaler une branche jante arrière. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut privilégier à se poser votre vent de face. Hein. Voilà. Là, c'est vrai que c'est emmerdant parce que t'as les barrières. T'es limité aussi par la profondeur. Mm. Donc moi, je partirai en diagonale, tac, comme ça. Mais là, là sincèrement, avec 20 km de vent, c'est que t'es rentré à, je sais pas, 200 mètres sol, quoi. C'est énorme, quoi. Parce que quelqu'un à 100 mètres sol avec 20 km hors de vent, il est sûr de poser dans le terrain. Avec 100 mètres sol. Tu vois, il peut se faire tout à l'aise et il rentre. Peut-être même pas au terrain, peut-être avant. Avec 100 mètres sol. D'accord. Voilà. Ah, c'est facile quand il n'y a pas de vent, hein, mais dès qu'il y a du vent, il y a tous les facteurs qui changent. Mais là, pour poser là, il faut vraiment être super, super bon. Voilà. Enfin, si c'est pas produit. Voilà. Mais tu vois, moi, j'ai pas arrêté de buller tout le temps. Bah oui, mais c'est l'adaptation aussi, parce que sinon, on vole que dans le calme. Hein. Non. Excusez-moi, je regarde, je vais peut-être pas répondre. C'est Pierrot. Allô? Ouais, je sais. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Merci. De rien. Ouais. Bon, ok, je vais la choper avant de partir. Merci Pierrot. Salut, ciao. Bon, on est en topo là, mais je vois ce qu'il y a dessus. Ouais. Ok. Ça marche. On est en train de caler pour demain, ça va être parfait. Ciao. Salut. Et d'autant plus que tout ce que je vous donne là, ça va vous servir parce que premier vol. Putain, tout le monde dans le terrain, nickel et tout. Par contre, dès qu'il y a des bulles, dès qu'il y a un peu d'air, vous êtes déstabilisé complet. Arrêtez de déstabiliser, rentrez pas trop tôt non plus et adaptez après votre parcours par rapport aux conditions aérologiques. Vous avez votre déplacement par rapport au sol quand vous commencez à être bas en zone de perte d'altitude avant d'entrer au point d'entrée. Rien ne vous empêche de vous mettre un moment avant de cul pour voir comment ça défile. Vous avez vos biroutes que vous commencez à bien voir en branche vent arrière et tout ça. S'il y a du vent au-dessus, que la biroute ne donne pas de vent, c'est qu'il y a du gradient. Donc il y a un moment, sur les 10 derniers mètres, vous savez que ça va plonger. Anticipation sur le freinage. Ah, ça fait plein de trucs. Hein. Toutes vos connaissances, il faut les mettre en œuvre à chaque fois. Une fois que ça sera automatisé, vous passez à autre chose. Ça veut dire que là, il y avait les approches en air calme pour tout le monde arrive à poser dans le terrain sans problème. Maintenant, il faut s'adapter avec des taux de chute qui peuvent varier suivant les conditions aérologiques. Voilà. C'est obligatoire. Donc ça va avec aussi les ascendances qu'on peut prendre. Parce que forcément, quand vous prenez les ascendances, et vous en êtes tous à un niveau où vous prendrez, où vous avez déjà pris les ascendances, forcément, ça veut dire que le terrain en bas, c'est jamais calme. Jamais, jamais calme. Et le gradient, c'est quand il y a du vent au-dessus, tu dis. C'est quand tu as du vent au-dessus, et tu n'as plus de vent entre le sol et, mettons, 10-15 mètres. Ça va être proportionnel au vent qui va être freiné, par exemple, tu vois, où il y a les deux terrains de foot là, on a une rangée d'arbres avant champion. Et bien cette rangée d'arbres, elle nous coupe le vent. La pelouse qui est tondue très courte, et bien c'est un facteur pour faire du gradient super bon. C'est-à-dire que l'air, il passe et il est freiné par l'herbe courte. Donc la manche à air... La manche à air, elle est à peu près à 3 mètres de haut. Ouais, tu peux te dire, si elle est molle, il y a du gradient. Pourquoi? Parce que... Là, tu as vu que tu te faisais décaler vers le terrain. Ici, en branche vent arrière, votre vitesse sol est assez importante. Donc, il y a la vitesse de votre parapente puis celle du vent. Là, vous voyez bien, parce que vous n'êtes pas super haut ici, normalement. Donc, c'est plein d'indications qui vous font que quand
vous êtes en branche ventariaque, que ça défile très vite sous vos pieds, n'allez pas chercher forcément une étape de base super loin. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois d'être en branche vent arrière, de caler mon parapente un petit peu face au vent pour jouer comment ça faisait. Je vois que ça avance, je vois que je suis trop haut, je me laisse décaler en crabe. Par contre, je tourne mon parapente, je vois que ça a du mal à avancer. En plus, j'ai vu que la biroute a été comme ça, il y a du gradient. Je me cale et je suis dans le terrain. Donc, la biroute, elle peut être comme ça, comme elle peut être avec tendue avec du vent. Hein. Et là, il n'y a pas de gradient. Voilà. Donc comme ça, c'est qu'il y a du gradient et comme ça, c'est qu'il n'y a pas de gradient. Tout à fait. Et là, pour le coup, faut pas être au frein quand il y a du gradient. Hein. Ça veut dire qu'on n'utilise pas l'étape de base pour prendre un peu de vitesse ? Étape de base, tu prends pas de la vitesse sur l'étape de base. C'est sur le final que tu prends ta vitesse. Attention. Hein. Et après, faut pas penser que je suis long, je descends mes commandes, parce que j'ai compris que ma trajectoire, si j'ai les bras hauts, comment je vais faire ? Attends, je vais le faire dans mon sens. Bras hauts, ça fait ça. Finesse max, on va dire que ça fait ça. Finesse max. Vitesse max. Taux de chute mini. On arrive là à peu près. En air calme. Si je descends mes freins pour changer mon angle de planer, finesse max, j'arrive là. Vitesse max, j'arrive là. Taux de chute mini, c'est-à-dire les mains ici, j'arrive ici. Mais pensez pas que c'est bien d'avoir les mains ici. Vaut mieux poser loin sur le terrain ici que freiner ici. Parce que freiner ici, si vous prenez une bulle thermique qui va faire varier votre incidence et que vous avez déjà les mains là, vous êtes en décrochage. À faire super gaffe. Voilà. Donc, on peut jouer avec sa plage de vitesse pour un peu faire varier, en fin de compte, son plané, mais un petit peu. Mais là, je viens de vous donner encore une astuce, de plus. On augmente le taux de chute au détriment de la finesse. D'accord ? Non. Oui, c'est ça. On va avoir un meilleur taux de chute parce qu'on va moins perdre, par contre on ira moins loin. Mais sur le terrain, quand on est long, forcément on peut rechercher ça. Mais méfiate avec la variation de plage de vitesse. C'était pour répondre plus à ta question de tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que moi, à l'avant-dernier coup, j'ai posé sur le terrain, j'étais loin. Travaillez pas trop au frein parce que c'est chaud. Non, c'est pour ça, je suis resté par haut, mais... Voilà. Des fois, même, tu vois... Mais j'ai posé ici, tu vois. Mais des fois, tu te mets là, et tu vois que ça bloque un peu avec le vent, tu te remets un coup bras haut et ta voile, elle plonge. Putain, c'est royal. Tu peux te faire en plus limite un flair, tu vois. Oui. En freinant comme il faut. Non, mais là, j'ai pas arrêté de faire blou. Ouais, je sais bien. Ouais. Mais tout là, c'est ton petit poids aussi. Hein. Ouais, mais toi, il y a quand même un truc, c'est de toute manière, il faut que tu rentres un peu plus basse. Ouais. Voilà, tout simplement. Comme on sait que tu as un bon plané, normalement comme ça, sans bulettes, avec des bulettes, c'est pire. Donc sur des vols fin de matinée, il faut que tu rentres un petit peu plus basse que les autres. Ouais, parce que si je prends Kevin et toi, vous avez un taux de chute qui n'a rien à voir. Ouais. À l'arrière, Eric, il est entre les deux. Tu vois, c'est marrant, suivant où tu vas être calé sur la fourchette de poids de ta voile, ça va pas être pareil. Voilà. Steph, il speed parce qu'il a du poids, mais bon, il plane bien quand même. Steph aussi, l'autre Steph, voilà. J'aurais pu, quand moi je suis arrivé, je voyais ça devant moi et à un moment, je montais plus que moi j'arrivais. Hors course. Pour éviter de faire moi-même des oreilles pour arriver plus bas. Toi, t'es trop bas pour faire les oreilles. Ah, oui. Bah non, mais en arrivant. En arrivant, c'est-à-dire en arrivant au tout début, parce que dès que là, je suis arrivé de... t'étais bas déjà. T'étais déjà bas. Ouais. Parce que dès que je suis arrivé, j'étais... Et moi, je surveillais Isa, parce qu'elle faisait que, effectivement, prendre des bulettes. Donc du coup, c'était mieux, il fallait que je gère aussi ça. Et toi, je te surveillais du coin de l'œil. Non, tu faisais droit, t'es trop bas. Parce qu'avant que tu nous demandes qui c'est que t'étais, à un moment, je suis arrivé, j'ai vu ça. Mais j'ai arrêté. Parti dans l'autre sens, j'ai vu bien descendre. J'ai arrêté, j'aurais dû la laisser en stand-by sur les deux terrains de foot, te faire entrer toi avant. Ouais. Et c'était gagné. Parce que même avec les oreilles, on est rentré en même temps. Parce que moi, j'ai vu, pour ça, j'ai dit, je me suis décalé vers le terrain, je suis rentré avant elle. Voilà. Je me suis resté vers le plus proche du terrain pour... Bah t'as vu, je vous ai demandé en l'air qui est plus bas. Mais j'ai dit oui. Et il t'a rattrapé après. Ouais, alors après, imagine. Lui, en fait, regarde, c'est hyper facile à comprendre. Regarde. Isa, elle était en train de perdre son altitude. Ici. Et ici, à peu près, dans ce secteur-là. Toi, tu étais dans ce secteur-là. On s'est séparé l'approche en deux, la perte d'altitude. C'est ça qui s'est passé ce matin. Et qui elle était dans la zone ascendante. Et qui était dans la dégueulante ? Stéphane. En étant plus bas que... Il était plus haut et plus comme haut. Il restait en ce truc-là. D'accord. Ah, et donc il s'est retrouvé dans la dégueulante et ça descendait. Là, il n'était pas à 1,2 mètre par seconde, il devait être au moins à 2. Et ça change énormément de choses. Parce qu'elle, du coup, elle a fait un coup d'oreille après...
pour descendre, mais lui, comme il est resté dans cette zone, il a fait que descendre. Quand j'ai tourné la tête, il était bas, j'ai dit tu rentres. Voilà, et heureusement, parce qu'après, t'as vu, t'as écourté tout, t'es rentré là, nickel. Hein. Voilà. Alors moi, je vais poser. Mais est-ce que ça tombait déjà bien voilà. En poussant non, et en plus, Isa, elle passe dans la zone branche vent arrière, ça bulait, lui, il passe, ça dégueule. Encore la chance. C'est dur, hein, de... même pour nous, c'est chiant, hein, en fin de matinée. Mais déjà, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est l'interdiction d'avoir le 360 au-dessus de l'atéro. Ah oui, mais ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour se faire mal. Tu perds ton terrain de vue, tu perds tous tes repères, quoi. C'est une vraie galère, quoi. Non, non, surtout ça, oubliez, quoi. C'est vraiment le truc à proscrire. Alors les mecs qui font dans 3-6, ok. Mais bon, les mecs, c'est leur problème, il y en a beaucoup qui se font mal. Non, mais tu vois, j'ai failli retourner vers la droite et alors, j'ai émis... Aussi, il y a une autre... J'ai un autre truc qu'on peut faire aussi, on est comme ça. On est là, il n'y a personne derrière. J'ai vu qu'il n'y avait personne derrière. Je peux doubler mon étape de base. Non, mais j'avais Steph. Oui, toi, t'avais Steph, donc c'était bloqué. C'est vrai qu'on voulait revenir sur ce truc-là. Mais on peut très bien arriver comme ça. D'accord, tac. Oh, je suis encore trop haut. Alors si je suis bon là presque en doublant, je pars comme ça. Mais si je suis pas bon, fermez bien votre virage par là, tout en gardant un œil sur la cible. C'est-à-dire on tourne jamais le dos là. Hein. On finit en pété. Ça revient à faire un reste. Oui, mais c'est pas grave s'il y a personne derrière. On s'en fout. Vaut mieux adapter comme ça et faire un beau posé. Que voilà. C'est une solution de plus. S'il y a personne en PTU derrière. Mais en plus, tu sais pourquoi j'ai pris la gauche, enfin, il ne fallait pas que je le fasse, mais c'était que je voyais que j'avançais vers le terrain, que j'étais au-dessus de toi. Je me dis, mais si je le fais vers la droite, je vais être déjà à la moitié du terrain. Et j'ai déjà commencé à revenir. Bah, disons que le problème, c'est qu'on était verrouillé par Steph, à droite, mais on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que moi, dans un cas normal, à l'altitude à laquelle tu passais, je m'en foutais, je te mettais en diagonale, et à la rigueur, tu aurais marché pour revenir et point barre. Sauf que là, il y avait Steph. Donc forcément, tu es obligé de faire au. T'aurais pas fait ton 3-6, moi je te faisais repartir, de l'autre côté je te posais sur la zone de pliage. Mais ça toi, tu non, penses que tu savais pas, parce que moi je le savais, parce que j'allais le faire. Oui. Mais comme toi, voilà, enfin, bon, c'est comme ça. J'ai vu que j'avançais vite, que j'aurais pu, mais j'avais vraiment pas le droit de le faire, donc je me suis dit... Voilà, mais tu vois, c'est bien d'en reparler aussi, parce que je pense que moi j'aurais pu faire différemment dans mon guidage, sauf que quand tu fais ton guidage, bah, tu le fais une fois, tu le fais pas deux fois, et toi t'aurais dû faire différemment aussi. Voilà, si tu m'avais écouté de A à Z, tu posais, et personne n'avait flippé, c'était bon. Enfin voilà, c'est comme ça. Ça vous a apporté deux, trois trucs. Oui. Essayez d'adapter demain ça, et vous allez voir que c'est parfait. Voilà. Parce qu'en air calme, hein, tout le monde est autonome en bas, hein, sans problème. Hein. Mais non, on va aller à Morillon. Toi, t'es posé. Ouais. Je pensais à Aikyo, parce que j'en ai discuté. Je sais pas si c'est pas à cause aussi de ta sellette qui a l'air petite. Non ? Peut-être essayer une sellette plus grande pour voir.